Quelle plateforme de blog WordPress vous convient le mieux Auto-héberger ou non Ce que vous envisagez de faire avec un site WordPress a beaucoup à voir avec la version du logiciel que vous utilisez. WordPress peut être trouvé en ligne avec une extension, org et com, mais ils se sont tous les deux différents, même si chacun est gratuit à utiliser. Les avantages de WordPress. Si vous voulez simplement une caisse de résonance où vous pouvez exprimer une opinion et recevoir des commentaires, la version comme de WordPress est probablement la meilleure pour vous. Vous n'aurez pas besoin de passer du temps à concevoir le site, car vous choisirez parmi les thèmes limités que WordPress a à offrir. L'hébergement se fait sur le site WordPress, donc votre seule dépense est la connexion Internet que vous utilisez pour aller sur le site et maintenir votre blog il y a des milliers de personnes qui préfèrent la simplicité et la facilité d'un site de ce type il est principalement destiné aux personnes qui ne prévoient pas de monétiser leur site web ce qui n'est pas autorisé sur les blogs hébergés par wordpress et qui ont simplement un sujet d'intérêt sur lequel ils en bloguer avantage de wordpress.org cette version de wordpress est plus chère que l'autre car vous devez l'héberger vous-même si vous payez déjà un hébergement à quelqu'un pour l'espace serveur, vous n'aurez probablement pas plus à payer lorsque vous ajouterez un site non hébergé par WordPress. La différence la plus évidente est que vous pouvez faire beaucoup plus avec un blog WordPress auto-hébergé. C'est vous qui êtes propriétaire du site, et non WordPress, et vous pouvez le monétiser avec des publicités ou d'autres activités commerciales génératrices de revenus. Une tentative d'utilisation de la plateforme, comme à des fins financières, peut entraîner la fermeture de votre site, c'est-à-dire la perte de tout votre travail. Vous avez la liberté de concevoir le site comme vous le souhaitez sur un blog auto-hébergé. Vous n'êtes pas limité par les thèmes proposés par WordPress, vous pouvez créer le vôtre ou utiliser les nombreux thèmes gratuits ou achetés disponibles. Vous disposez d'une flexibilité illimitée grâce au grand nombre de plugins WordPress disponibles. Beaucoup d'entre eux sont gratuits et certains sont payants. Avec certaines des versions payantes, vous pouvez également être limité par le nombre de sites sur lesquels vous êtes autorisé à les utiliser. Facilité d'utilisation. Naturellement, parce qu'il est beaucoup plus puissant, le blog WordPress auto-hébergé a une courbe d'apprentissage plus importante, même s'il est toujours facile à maîtriser. La plupart des gens trouvent qu'un cours accéléré sur WordPress fonctionne bien et leur montre comment créer un site à partir de rien en moins d'une journée. Encore une fois, tout dépend de l'utilisation que vous comptez faire de votre blog, et si cela implique une activité commerciale quelconque, choisissez sans hésiter l'option d'auto-hébergement.